ديسيدي، ديسيدي معناه مقرر، يعني شيء تقرر. ديسيدي ça c'est un adjectif صفة. Voilà un exemple. C'est décidé, je viens avec toi. C'est décidé, je viens avec toi. يعني هذا مقرر أو تقرر، أنا قادم معك أو أنا آتي معك. C'est décidé, je viens avec toi. Indésirable. Indésirable, ça c'est un adjectif masculin et en même temps féminin. هذه الصفة نستعملها للمؤنث كذلك للمذكر. معناها غير مرغوب فيه. Qui n'est pas désiré. Indésirable. Il s'est débarrassé d'un invité indésirable. Il s'est débarrassé d'un invité indésirable. يعني بالعربية هو تخلص من ضيف أو من الضيف غير المرغوب فيه. Il s'est débarrassé, ça c'est le verbe se débarrasser, كنا قد رأيناه سابقا. فعل مركب معناه يتخلص من شيء ما أو من شخص ما. Un invité يعني ضيف indésirable كما قلت غير مرغوب فيه. Il s'est débarrassé d'un invité indésirable. Mendiant. Mendiant, ça c'est un nom, ism, معناه متسول. Mendiant. Voilà un exemple. Elle a donné un peu d'argent à un mendiant. Elle a donné un peu d'argent à un mendiant. يعني هي أعطت بعض المال لمتسول. Elle a donné un peu d'argent à un mendiant. Mensonge. Mensonge, ça c'est un nom masculin, ism mudhakkar, معناه كذب, بهتان. Mensonge. Voilà un exemple. Il dit beaucoup de mensonges. Il dit beaucoup de mensonges. يعني بالعربية هو يقول الكثير من الأكاذيب. Il dit beaucoup de mensonges. Illisible. Illisible, ça c'est un adjectif masculin et en même temps féminin. هذه الصفة تقال للمذكر كذلك للمؤنث معناه غير مقروء. Illisible. Voilà un exemple. Tu as une écriture illisible. Tu as une écriture illisible. يعني لديك كتابة غير مقروءة. أو لديك خط غير مقروء. Tu as une écriture illisible. Illogique. Illogique, ça c'est un adjectif masculin et en même temps féminin. هذه الصفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. ضد هذه الكلمة هي logique. Logique معناها منطقي. أما بالنسبة لإيلوجيك هي غير منطقي. إيلوجيك. Voilà un exemple. Ton attitude est illogique. Je ne te comprends pas. Ton attitude est illogique. Je ne te comprends pas. يعني بالعربية موقفك غير منطقي. أنا لا أفهمك. Ton attitude est illogique. Je ne te comprends pas. Indiscret. Indiscret, ça c'est un adjectif. هذه الصفة معناها الشخص الذي يفشي الأسرار. لم أعرف الكلمة بالضبط معناها بالعربية الشخص الذي يفشي الأسرار. كذلك يمكن القول أن هذه الكلمة تعني فضولي متطفل الشخص المتطفل. بالنسبة للمؤنث نقول indiscret. Indiscret. Voilà un exemple. Il pose toujours des questions indiscrètes. Il pose toujours des questions indiscrètes.
يعني بالعربية هو يسأل دائما أسئلة فضولية يعني هو فضولي. Il pose toujours des questions indiscrètes. L'acheter. L'acheter, ça c'est un nom féminin, ça veut dire manque de courage, de franchise. يعني قلة الشجاعة وكذلك الصراحة. اسم مؤنث معناه الجبن. L'acheter. Voilà un exemple. Il a fui avec l'acheter devant ce petit obstacle. Il a fui avec l'acheter devant ce petit obstacle. يعني هو هرب جبانا أمام هذه العقبة الصغيرة. Il a fui, ça c'est le verbe fuir, un verbe de troisième groupe, معناه يهرب. Avec l'acheter, يعني بجبن. Devant ce petit obstacle, يعني أمام هذه العقبة الصغيرة. Obstacle, يعني عقبة. Il a fui avec l'acheté devant ce petit obstacle. Les. Les, ça c'est un adjectif. Pour le féminin, on dit laide. Laide, معناه قبيح, بشع. Qui n'est pas beau, يعني من ليس جميلا. Les. Voilà un exemple. Salma n'est pas laide. Je la trouve plutôt jolie. Salma n'est pas laide. Je la trouve plutôt jolie. يعني بالعربية سلمى ليست قبيحة أو بشعة. أجدها جميلة نوعا ما. سلمى n'est pas laide. Je la trouve plutôt jolie. Salma n'est pas laide. Je la trouve plutôt jolie. Indifférence. Indifférence, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناه لا مبالاة. Indifférence. Voilà un exemple. Son indifférence m'étonne. C'est son jouet préféré. Son indifférence m'étonne. C'est son jouet préféré. يعني لا مبالاته تفاجئني أو تذهلني. إنها لعبته المفضلة. Son indifférence m'étonne. C'est son jouet préféré. Largement. Largement, ça c'est un adverbe, ça veut dire de façon importante ou large. يعني بالعربية على نطاق واسع أو إلى حد بعيد. Signifie aussi suffisamment, يعني ما يكفي. Largement, voilà un exemple. La porte est largement ouverte. La porte est largement ouverte. يعني الباب مفتوح بما يكفي. La porte est largement ouverte. Un autre exemple. Tu auras largement le temps pour le faire. Tu auras largement le temps pour le faire. يعني سيكون لديك متسع من الوقت أو ما يكفي من الوقت للقيام بذلك. Tu auras largement le temps pour le faire. Influence. Influence, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناه تأثير. Influence. Voilà un exemple. Les parents ont beaucoup d'influence sur leurs enfants. Les parents ont beaucoup d'influence sur leurs enfants. يعني الوالدان أو الآباء لديهم تأثير كبير على أطفالهم. Les parents ont beaucoup d'influence sur leurs enfants. Individualité. Individualité signifie ensemble des caractéristiques propres à une personne. Je répète, ensemble des caractéristiques propres à une personne. يعني مجموعة من الخصائص الخاصة بكل فرد. يعني يمكن القول أن هذه الكلمة تعني الفردية. يعني كل شخص لديه فرديته. يعني يختص بشيء ما أو لديه خصوصياته. Individualité. Voilà un exemple. Il faut respecter les autres
tels qu'ils sont, dans toute leur individualité. Il faut respecter les autres tels qu'ils sont, dans toute leur individualité. يعني بالعربية يجب أن نحترم الآخرين كما هم في كل فرديتهم. Il faut respecter les autres tels qu'ils sont dans toute leur individualité. Indiminité. Indiminité, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناه تعويض. Indiminité. Voilà un exemple. Elle reçoit des indemnités pendant son congé maladie. Elle reçoit des indemnités pendant son congé maladie. يعني هي تحصل على تعويضات خلال إجازتها المرضية. Elle reçoit des indemnités pendant son congé maladie. Un autre exemple. L'entreprise verse des indemnités de transport à ses employés. L'entreprise verse des indemnités de transport à ses employés. يعني الشركة تدفع تعويضات على النقل لموظفيها. L'entreprise verse des indemnités de transport à ses employés. Débutant. Débutant, yani mubtadi. Pour le féminin, on dit débutante. Débutante. Voilà un exemple. Il ne connaît pas encore bien les règles du jeu. C'est un débutant. Il ne connaît pas encore bien les règles du jeu. C'est un débutant. يعني هو لا يعرف بعد قواعد اللعبة جيدا فهو مبتدئ. Il ne connaît pas encore bien les règles du jeu. C'est un débutant. Déception. Déception, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناه خيبة أمل. Déception. Voilà un exemple. Nous pouvons lire une grande déception sur le visage du perdant. Nous pouvons lire une grande déception sur le visage du perdant. يعني نحن نقرأ خيبة أمل كبيرة على وجه الخاسر. Le perdant est le خاسر. Nous pouvons lire une grande déception sur le visage du perdant. Illégal. Illégal, يعني غير شرعي أو غير قانوني. Illégal. ضد هذه الكلمة هي légal. Légal, هي قانوني أو شرعي. Voilà un exemple. C'est illégal d'entrer dans une propriété privée. C'est illégal d'entrer dans une propriété privée. يعني بالعربية هذا غير قانوني دخول ملكية خاصة. Une propriété, يعني ملكية privée, يعني خاصة. C'est illégal d'entrer dans une propriété privée. Imbuvable. Imbuvable, ça c'est un adjectif masculin et en même temps féminin. Ça veut dire qui a si mauvais goût qu'il ne peut pas être bu. يعني ما هو مذاقه سيء لدرجة أنك لن تتمكن من شربه. Imbuvable, يعني غير صالح للشرب أو لا يمكنك شربه. Voilà un exemple. Ce jus de fruits est imbuvable. Il est acide. Ce jus de fruits est imbuvable. Il est acide. يعني عصير الفاكهة غير صالح للشرب فهو حامض. Ce jus de fruits est imbuvable. Il est acide. Et dans le langage familier, cet adjectif signifie insupportable. وفي اللغة العامية هذه الصفة تعني الشخص الذي لا يطاق لا يمكنك تحمله. Voilà un exemple. Elle parle trop, qu'elle devient imbuvable. Elle parle trop, qu'elle devient imbuvable. يعني بالعربية هي تتحدث كثيرا حتى تصبح لا تطاق أو لا تحتمل. Elle parle trop,
qu'elle devient imbuvable. Impardonnable. Impardonnable, ça c'est un adjectif féminin et en même temps masculin, signifie la yurtafar ou la yumkin musamahatou. Impardonnable. Voilà un exemple. Ce que tu as fait est impardonnable. Ce que tu as fait est impardonnable. Yani ma fa'alta ou ma fa'altahu la yurtafar ou la yumkin musamaha alayya. Ce que tu as fait est impardonnable. Imprévu. Imprévu, ça c'est un adjectif. Sifa ma'na ghayr mutawaqqa. Imprévu. Voilà un exemple. Il y a eu des événements imprévus. Il y a eu des événements imprévus. Yani kanat hunak ahdath, des événements yel ahdath ghayr mutawaqqa. Il y a eu des événements imprévus. الآن لدينا كلمة واسطة بالفرنسية نقول piston piston piston. Voilà un exemple. Elle a eu ce travail par piston. Il a eu ce travail par piston. يعني كان لديه أو حصل على هذا العمل عن طريق الواسطة. Il a eu ce travail par piston. Dévouement. Dévouement, رأيناها في الحوار السابق معناه التفاني. Dévouement. Voilà un exemple. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. حاول أن تفكر في معنى هذه الجملة. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. نعم بالعربية هو يبرهن أو يثبت تفانيا لا حدود له لعائلته أو تجاه عائلته. Il fait preuve كما قلت يبرهن أو يثبت un dévouement يعني تفاني sans بدون borne les bornes هي الحدود envers ou تجاه sa famille يعني لعائلته. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. Tentation. Tentation yani igra. Tentation. Voilà un exemple. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. يعني هي لم تستطع أن تقاوم إغراء إنهاء فطيرة الشوكولاتة. Elle n'a pas pu, ça c'est le verbe pouvoir, يعني هي لم تستطع, conjugué au passé composé, résister, يقاوم, la tentation, يعني إغراء, finir, إنهاء, la tarte au chocolat, يعني فطيرة الشوكولاتة. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. Bénéfique. Bénéfique, ça c'est un adjectif. On l'utilise pour le féminin et en même temps au masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر. معناها مفيد نافع. Bénéfique. Voilà un exemple. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy. Car il a de meilleures notes maintenant. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. يعني المساعدة في الواجبات كانت مفيدة لسامي لأنه حصل على نقاط جيدة الآن. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. Acquis, معناها مكتسب أو إنجاز.
à qui. Voilà un exemple. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. يعني لا تعتمد على إنجازاتك. يمكنك القيام بما هو أفضل أو يمكن أن تقوم بما هو أفضل. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. Tandis que معناها الوقت الذي معناها كذلك في حين أن تعني كذلك عندما أو أثناء tandis que. Voilà un exemple. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. يعني هو يحب الريف أو البادية في حين أن زوجته تحب المدينة فقط. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. Actuel, ça c'est un adjectif. صفة معناها حالي يعني الآن في الوقت الراهن أو في الوقت الحاضر. Actuel. Voilà un exemple. Le chômage est un problème actuel. Le chômage est un problème actuel. Le chômage est un problème actuel. يعني البطالة هي مشكل راهن أو مشكل حالي. Le chômage est un problème actuel. Capable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها قادر. Capable, قادر أو قادرة. Capable. Voilà un exemple. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. يعني Nada هي قادرة على الذهاب إلى المدرسة بمفردها. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. Plaisant, ça c'est un adjectif. صفة معناها ممتع كذلك لطيف. Plaisant. Pour les féminins, on dit plaisante. Plaisante. Voilà un exemple. Ce village est un endroit plaisant. Ce village est un endroit plaisant. يعني هذه القرية مكان لطيف. Ce village est un endroit plaisant. Un autre exemple. Il a vécu une aventure plaisante. Il a vécu une aventure plaisante. يعني لقد عاش مغامرة ممتعة. Il a vécu, ça c'est le verbe vivre, conjugué au passé composé. On a لدينا فعل يعيش مصرف في الماضي المركب. Une aventure, يعني مغامرة plaisante, كما قلت هي ممتعة. Il a vécu une aventure plaisante. Sabotage. Sabotage معناه تخريب. Sabotage. Sabotage. Voilà un exemple. Le sabotage des freins a failli causer un accident. Le sabotage des freins a failli causer un accident. يعني تخريب الفرامل. Le sabotage, كما قلت هو التخريب des freins, هي الفرامل, a failli, كاد,
le verbe faillir, conjugué au passé composé. Causer, يسبب un accident, يعني حادث. كاد تخريب الفرامل أن يتسبب أو أن يسبب حادث. Le sabotage des freins a failli causer un accident. Sagement. Sagement معناها بحكمة أو بهدوء. Sagement. Voilà un exemple. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. يعني اجلس بهدوء على هذا الكرسي وانتظرني. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. Savoureux. Savoureux, ça c'est un adjectif, sifa, معناها شهي كذلك لذيذ. Savoureux. بالنسبة للمؤنث نقول savoureuse. Savoureuse. Voilà un exemple. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. يعني هذه الكعكة لذيذة. أريد المزيد. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. Terrible. Terrible, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه صفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها مروع, رهيب, فظيع, كذلك سيء. Terrible. Voilà un exemple. Il a vécu une expérience terrible. Il a vécu une expérience terrible. يعني عاش. Il a vécu, رأينا فعل vivre. Ou le verbe vivre, une expérience, يعني تجربة, terrible, مروعة. لقد عاش تجربة مروعة. Il a vécu une expérience terrible. Testament. Testament, يعني وصية, كنا قد رأيناها سابقا في درس مقاطع الأفلام. Testament. Testament, un nom masculin, ism mudhakkar. Voilà un exemple. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. حاول أن تفهم هذه الجملة عزيزي المشاهد. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. يعني الوصية تدل على أن هذا الرجل يترك ممتلكاته لزوجته وأولاده. Le testament indique, يعني le verbe indiquer, معناه يدل que cet homme, هذا الرجل, lègue, ça c'est le verbe léguer, يعني يترك أو يورث, يعني عملية التوريث. C'est bien, يعني ممتلكاته, à sa femme et à ses enfants, لزوجته ولأولاده. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. Têtu. Têtu, ça c'est un adjectif, معناه متسلب, الشخص العنيد. Têtu. بالنسبة للمؤنث نقول كذلك têtu بإضافة الأ في الأخير. Têtu. Voilà un exemple. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. يعني أحمد عنيد أو متسلب لا يريد الاعتراف أو أن يعترف بخطأه. Le verbe reconnaître معناه يعترف. Son erreur يعني بخطأه. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Concrètement.
concrètement, ça c'est un adverbe, يعني ظرف, معناه بشكل ملموس, كذلك قد تعني فعليا, كذلك عمليا. Concrètement. Voilà un exemple. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. يعني قل لي ما يجب القيام به بشكل ملموس. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Dis-moi, ça c'est le verbe dire conjugué à l'impératif فعل يقول من المجموعة الثالثة مصرف في صيغة الأمر. Dis-moi ce qu'il faut faire concrètement. Anxiété. Anxiété, ça c'est un nom féminin, signifie inquiétude provoquée par la peur. Je répète, anxiété signifie inquiétude provoquée par la peur. هذه الكلمة اسم مؤنث معناها القلق الناجم عن الخوف. يعني هذه الكلمة تعني قلق, anxiété. Voilà un exemple. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Voilà un exemple. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. يعني هو انتظر بقلق نتائج امتحانه. Il attendait, ça c'est le verbe attendre, un verbe de troisième groupe, conjugué à l'imparfait. هنا لدينا فعل ينتظر مصرف في الماضي الناقص. Les résultats هي النتائج de son examen, يعني امتحانه. Il attendait les résultats de son examen avec anxiété. Confus. Confus, ça c'est un adjectif, معناه حائر, مرتبك, مشوش, قد تعني كذلك غامض. Confus. بالنسبة للمؤنث نقول confuse. Confuse. Voilà un exemple. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. يعني بالعربية, ces explications, يعني شروحاته أو تفسيراته غامضة, sont confuses. Je n'ai rien compris, يعني لم أفهم أي شيء. Ici, on a le verbe comprendre, un verbe de troisième groupe, conjugué au passé composé. هنا لدينا فعل يفهم مصرف في الماضي المركب. يعني تفسيراته غامضة, لم أفهم أي شيء. Ces explications sont confuses. Je n'ai rien compris. Un autre exemple. Je suis confuse d'arriver si tard. Je suis confuse d'arriver si tard. يعني أنا مرتبكة لوصولي متأخرة جدا. Je suis confuse d'arriver si tard. Applicable. Applicable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها معمول به أو منطبق أو مطبق. Applicable. Voilà un exemple. Ce règlement est applicable pour tout le monde. Ce règlement est applicable pour tout le monde. يعني هذا النظام منطبق على الجميع أو مطبق على الجميع. Ce règlement est applicable pour tout le monde. Discrètement. Discrètement. Discrètement, ça c'est un adverbe ظرف معناه خلسة يعني سرا قد تعني كذلك بحذر بخفة. Discrètement. Voilà un exemple. Je suis passé discrètement à côté de lui, sans me faire remarquer. Je suis passé discrètement à côté de lui, sans me faire remarquer. لقد مررت سرا أو خلسة دون أن يلاحظني. Je suis passé discrètement à côté de lui, sans me faire remarquer. Facilement.
Facilement, ça c'est un adverbe d'arf, معناه بسهولة. Facilement. Voilà un exemple. Il parle facilement aux gens. Il parle facilement aux gens. يعني هو يتحدث بسهولة إلى الناس. Il parle facilement aux gens. Aimable. Aimable, ça c'est un adjectif. On l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. معناه طيب ودود كذلك لطيف. Aimable. Voilà un exemple. Mes voisins sont très aimables avec moi. Mes voisins sont très aimables avec moi. يعني جيراني, mes voisins, طيبون جدا معي. Mes voisins sont très aimables avec moi. Aise. Aise, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناه مرتاح. Ça veut dire être à l'aise. يعني أن يكون مرتاح. Aise. Voilà un exemple. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Elle ne se sent pas à l'aise en public. يعني هي لا تشعر بأنها مرتاحة أمام الملأ. En public, قد تعني أمام الملأ, كذلك قد تعني الأماكن العامة. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Le premier verbe, c'est le verbe se sentir. معناه يشعر, un verbe pronominal, فعل مركب, conjugué au présent de l'indicatif. Elle ne se sent pas à l'aise en public. Allongée. Allongée, ça c'est un adjectif, معناه ممدود. يعني الشخص الذي يكون ممددا مثلا على الأريكة. Allongée. بالنسبة للمؤنث نضيف الأ. Allongée. Voilà un exemple. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. يعني بالعربية هي لا تزال لديها حمى عليها أن تبقى ممددة. Elle a encore de la fièvre. Elle doit rester allongée. Ambition. Ambition, ça c'est un nom féminin. اسم مؤنث signifie désir fort de réussir. يعني الرغبة القوية في النجاح. إذن معنى هذه الكلمة طموح, ambition. Voilà un exemple. Il a de l'ambition. Il a de l'ambition. يعني هو لديه طموح. Il a de l'ambition. Un autre exemple. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. يعني هو لديه طموح واحد فقط. رؤية أطفاله سعداء. Il n'a qu'une ambition. Voir ses enfants heureux. Amateur. Amateur, ça c'est un nom masculin. معناه هاوي. Personne qui aime beaucoup quelque chose. Je répète, amateur signifie personne qui aime beaucoup quelque chose. يعني الشخص الذي يحب كثيرا شيء ما. هاوي. بالنسبة للمؤنث نقول amatrice. Amatrice. Voilà un exemple. Mon père est un amateur d'échecs. Mon père est un amateur d'échecs. يعني والدي هاوي للشطرنج. Mon père est un amateur d'échecs. Un autre exemple. Cette compétition est réservée aux amateurs. Cette compétition est réservée aux amateurs. يعني هذه المنافسة مخصصة للهواة. Cette compétition est réservée aux amateurs. Approprié. Approprié, ça c'est un adjectif. صفة معناها مناسب. Approprié. بالنسبة للمؤنث نضيف فقط الأ. Approprié. Voilà un exemple. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer ce tableau au mur.
elle n'a pas les outils appropriés pour fixer ce tableau au mur. يعني بالعربية هي ليس لديها الأدوات المناسبة لتثبيت هذه اللوحة على الحائط. Les outils هي الأدوات. Elle n'a pas les outils appropriés pour fixer. Fixer يعني يثبت. Ce tableau au mur. أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. أنا أعتقد فقط أنه يجب أن تكون قادرا على قول ذلك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ رأينا في الدرس اليوم صفة قادر كيف نعبر عنها؟ أدعوكم لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.